Are you a virgin? Yes. And how old are you? I'm 21. Why haven't you done the deed yet? The key to a strong society is family. And so, in my view, choosing my future husband is like the most important decision I'll ever make. And I'm somebody that I know my heart, and I know that I fall really hard when I meet somebody. So I want to retain some level of objectivity when I'm selecting a future partner. And I know that if I had sex with them, I would be completely imprinted on them. And I, instead of being like, okay, is this person, do they have the qualities that I'm looking for in a husband? Or am I just making it work instead of like seeing red flags and leaving? Is there any reason why you're dressed so modestly instead of revealing like most women tend to do when they come out to Miami? I mean, this is just my personal sense of style. I just think it's respectful to others and to my future partner and to myself to just cover myself up more. I know that I, you know, take care of myself. I'm pretty athletic, but I don't need to have that on display. Ah, les gars, quand je vois ce genre de choses, ça me donne envie de chialer, les gars. Ça me donne envie de chialer. Excusez-moi pour ce moment d'émotion, mais en plein Babylone, rencontrer une fille comme ça qui a encore des valeurs, hein? Oh, franchement. Après, je sais pas si t'as remarqué, mais quand même, elle a dit « Je sais vrai que je suis habillée sobrement, mais attention, je suis, elle a dit, je suis athlétique. » Autrement dit, fais attention. En dessous, c'est très énervé. Là, tu crois qu'en dessous, c'est très, très énervé. Est-ce que j'ai vu d'autres filles qui étaient à moitié nues à Miami? Parce que je peux te dire, à Miami, elles sont à moitié nues. Ah, ça, c'est sûr et certain. Elles sont à moitié nues. Elles sont en string, comme ça, dehors. Elles marchent. Alors, elles mettent un petit voile transparent pour faire genre, elles ont un vêtement. Voilà. Apparemment, c'est la mode. C'est normal, gars. Quand tu vois une femme comme ça, donc elle est en train de te dire, tu vois, elle, là, tu la vois à moitié nue. Je peux te dire en dessous, c'est très énervé. Et si je montrais, je mettrais en PLS tout le monde. C'est ça que j'ai entendu connaître ça. J'ai senti, voilà, faites attention. D'ailleurs, moi qui ai l'œil d'un professionnel, j'ai vu, j'ai dit ça. Si c'est athlétique en plus, ça doit être très très énervant. Ça va, calme-toi, on rigole. Bon, une femme très intelligente, non pas parce qu'elle a dit des choses que les hommes voudraient entendre, hein, tout simplement parce que c'est très intelligent ce qu'elle est en train de faire. De dire, quand tu as ton pic, prends ton temps pour pouvoir faire le meilleur deal que tu veux. Au mieux d'avoir cette nouvelle mode hoe phase, donc ça veut dire en gros faire la puterie quand t'es jeune, profite de ta jeunesse, ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qu'elles entendent par profite de ta jeunesse? C'est couche avec tout le monde. Va sur les yachts, couche avec eux. Parce que quand ils vont sur les yachts, quand ils vont dans les jets privés, en échange, elles donnent quoi? C'est pas gratuit, c'est pas comme ça. Hein? Donc, elles, leur plan, c'est allez, on profite de la vie, on utilise notre beauté, notre sex appeal pour pouvoir avoir les meilleurs avantages de la vie, la vie en mode easy, on va sous les yachts, on est invité à Miami, à Dubaï, ok super, et comme ça après quand j'aurai 30 ans, voilà, là à ce moment-là je vais me poser, là je suis trop jeune pour me poser, voilà, mais le problème c'est qu'on t'a menti, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu vas arriver à 30 ans, tu seras en compétition avec les femmes de 20 ans. Et tous les hommes de tous les âges et toutes les religions préfèrent les femmes elles sont à leur pic durant leur vingtaine. Point barre. Tu auras beau insulter tout le monde de misogyne, ça ne changera rien. Donc du coup, elle a très bien compris. D'ailleurs, elle doit forcément être une femme religieuse parce que je ne vois pas comment une femme normale comme ça, sans rien, sans religion, peut penser comme ça en fait. En tout cas, de nos jours, en tout cas, ce serait vraiment ouf. Et moi, je voudrais rencontrer cette personne-là. Si jamais c'est vraiment possible, comment ça se fait qu'elle est sans l'aide de la religion, elle peut penser comme ça? Ce serait ouf quand même. Donc, les arguments qu'elle a avancés, même quand elle a parlé au niveau des red flags, elle a dit « Je ne vais pas ignorer des red flags pour essayer de faire marcher quelque chose qui, je sais, ne va pas marcher. » Donc, ce qu'elle va faire, c'est que dès qu'elle voit qu'il y a des red flags, ça ne correspond pas, next. Et elle a trop raison, et ça, c'est valable pour les deux genres. Le problème, c'est que les gars, quand ils voient des red flags, ils disent « Ah, vas-y, on va essayer !» Parce que vous êtes dans un mindset scarcity, genre en mode « Vas-y, c'est déjà bien, ça se trouve, je n'aurais pas une autre comme ça. » Et donc, tu fais l'impasse sur quelques red flags, et puis après, quand tu te mets en relation avec elle, et quand tu as des enfants, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, tu comprends pas pourquoi elle a mal à la tête, etc., etc. Et pour les femmes qui vont dire « Ouais, mais elle a pas d'expérience !» J'avais fait une revue d'une vidéo où il y a une meuf qui disait « Ouais, mais les gars, vous voulez des femmes qui ont d'expérience ?» Enfin, non, calme-toi, on veut pas.
Genre, ça veut dire quoi? Couche avec toute la planète, alors ça veut dire que plus la femme couche avec des hommes, plus les gars ils vont être intéressés. Elle avait comparé ça à un chirurgien. Elle dit, attends, tu veux un chirurgien qui a de l'expérience ou tu veux un chirurgien qui a jamais opéré une seule fois? J'ai dit, calme-toi, ton analogie elle est éclatée. Ça n'a rien à voir. Les hommes préfèrent avoir une femme qui préserve sa valeur avec moins d'expérience que le contraire. Parce que quand elle dit que à chaque fois que tu vas coucher avec quelqu'un, ça va s'imprimer en elle, c'est une réalité, tu vois. C'est les femmes qui se donnent à l'homme, c'est pas le contraire. C'est pour ça que des fois, quand elles veulent essayer de comparer, ouais, mais vous aussi pouvez avoir plusieurs partenaires et pourtant ça change rien. Bah oui, mais parce que vous, ça vous pose pas de problème. Même si on arrive à dire, si, moi, ça me pose des problèmes. Non, de manière générale, c'est pas un red flag. On le sait, c'est comme ça. D'ailleurs, même les femmes cherchent un homme qui a beaucoup d'expérience. Va dire à une femme que ouais, t'es puceau et que tu t'es préservé pour elle. Tu vas voir si jamais ça va l'exciter. Non. Alors que le contraire, ça pourrait. En tout cas, ce n'est pas une question vraiment d'excitation, c'est plus qu'il se dit, ah ça, c'est une vraie femme avec qui je vais pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Après, je ne sais pas si tous les gars aujourd'hui cherchent une femme vierge. Je pense pas, mais le principe, c'est qu'on ne veut pas une femme, je pense. Les gars, de manière générale, ne veulent pas une femme qui a connu énormément de gars, tout simplement. Et le moins de body count la femme a, le mieux c'est. Parce qu'il y a des stats qui ont montré que plus les femmes ont connu des hommes, eh ben, plus la relation long terme ne va pas fonctionner. C'est les stats qui parlent, c'est pas nous. Et c'est logique parce que plus elle va se donner à des gars, bah plus ça va être compliqué. Mais imagine une femme, tu te maries avec une femme qui a connu, je sais pas, 50 gars. Ça veut dire que déjà, juste un aspect, ça veut dire qu'il faut que tu sois meilleur que les 50 gars qu'elle a connus. Sinon, elle va toujours être frustrée de ne pas kiffer comme elle kiffait avec Brian. Mais comme Brian, la Alpha Windows, c'est-à-dire qu'elle voulait une relation avec lui, mais lui, il ne voulait pas, elle t'a pris comme second choix. C'est pour ça, jamais être le second choix d'une femme. Jamais. Plus tous les traumas qui vont avec, plus une femme a connu des hommes, plus il y aura des traumas. Ah, moi, je ne fais pas ci parce que quand je faisais ça avec Brian, ça s'est mal passé, donc toi, moi, je ne fais plus ça. Moi, maintenant, j'ai plus ce comportement-là parce que quand j'étais avec Jason, une fois, j'ai fait ci. Non, c'est fini, ça. Donc, non, les gars, je n'ai pas son Instagram. Hein, et puis, je pense que la liste, elle est longue parce que vu comme la vidéo, elle a buzzé, je pense qu'elle a pas mal de candidatures. J'ai même vu PDG qui a liké sa vidéo. Donc, je pense, les gars, que bon, tu n'es pas le seul. Hein, comme je t'ai déjà dit, hein, c'est... On est sur un marché de compétition. Hein. La femme que toi tu veux, un autre gars la veut. Donc si jamais tu n'as pas travaillé sur toi, c'est-à-dire créer ton business en ligne, d'ailleurs tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai créé 20 000 euros en une semaine, mets-toi dedans déjà, c'est gratuit, c'est offert, profites-en. Tu vois. Parce que pendant que tu es là en train de créer arnaque, il y en a qui ont déjà pris, qui ont déjà créé leur business en ligne, que j'ai déjà accompagné, qui sont déjà indépendants financièrement. Et eux, quand ils vont arriver devant la femme que toi tu voudrais avoir là aujourd'hui, ils vont prendre ça sur ta hala. Il a dit, mais pourquoi? Mais je suis gentil. J'ai entendu un gars remettre ça. Mais je suis gentil, pourquoi ça suffit pas? Je suis gentil. Je suis raconte. Les femmes aiment les winners, point barre. Et elles ont bien raison. Donc là, je pense qu'elle a pas mal de profils qui ont fait leur candidature. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut et je pense qu'elle doit être bien entourée aussi. Elle fera le bon choix et fondera une famille et y vécure heureux pendant des décennies. D'ailleurs, les gars, si vous voulez faire un CV, je peux te donner des petites astuces. Le mot entrepreneur dans toutes les langues, ça c'est un truc et kiff. Même si t'es dans les débuts, tu te lances machin, je sais pas, ce entrepreneur et kiff. J'ai entendu en espagnol emprendedor, en anglais entrepreneur, en français bon bah c'est pareil. Hein. Ça c'est un truc, ça je sais pas, c'est et kiff à chaque fois. Donc qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Ah, bah oui, voilà la transition, les gars. T'as ton description pour aller plus loin avec moi, de toute façon, par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu trouves que c'est ouf qu'à 21 ans, elles soient encore vierges? Est-ce que tu penses que non, c'est pas bien, ça aurait été bien si jamais elle a déjà connu 2-3 gars, hein, comme ça, avant de se marier? Enfin, dis-moi ce que tu en penses, je suis curieux de voir ça. Surtout les filles aussi, ce que vous en pensez. Sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je suis à ton camp.